Et là, j'applique le premier principe sur la femme. T'es tranquille, posé, 14h du matin. Et là, il y a Marie-Pamela qui débarque avec ses gros ballons. Je me dis même pas bonjour. Par respect pour moi-même, je me dis bonjour tous les matins. T'as pris mon poli, Cindy? Je demande à Cindy si elle a pris mon poli. Et là, la meuf, elle monte sur ses grands chevals. Non, mais j'ai pas compris, quoi. T'as pris mon poli, Cindy? Bah non. Genre, t'as pas pris mon poli? Bah, c'est pas marqué pigeon. La meuf, elle m'a pas pris mon poli. Non, mais allô, quoi. Tu vas en cours d'électronique et tu prends pas les polis de tes potes. Elle croit que j'ai pris son poli d'électronique. Eh bah non. C'est pas lui descendre tous les jours. Je suis pas une lumière, hein. Pourquoi t'as fait ça? Tu me saoules. Comment ça, je te saoule? Bah oui. Et là, j'ai pété un câble. Ah, mais elle me mord la... Et là, j'ai vu Brandon partir. Je me suis dit, voir, ça va sentir le rouquin là. Cette embrouille, franchement, elle sentait mauvais et sa mère la. Du coup, je suis allé mettre mon petit grain de riz comme un fils de. Mais Marie-Pomme, ne pleure pas, sois un bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon. À cause de ce de pu. Non, mais. Depuis tout à l'heure, elle te traite de dans le dos. Elle a dit que ta mère, elle t'avait pondu par le. Non, mais franchement, t'as bien fait de la clasher. Depuis le début, elle se la raconte sur toi. Dans le prochain épisode des Anges de l'Écam, suite à leur clash, Cindy et Marie-Pamela continueront à s'investir coûte que coûte dans une guerre destructrice. Inséparables depuis le début de l'aventure, Brandon et Jonathan Kevin mettront en péril leur amitié à cause du bar. Jonathan Kevin, c'est qu'un p***. Il a plus de respect pour son corps de f***, ni pour sa p***. Avec son équipe barre de merde, ils valent pas plus que la peau de mon z***. De toute façon, je suis sûr que leur mère, elle les a pondus par le p***. Ouais, qu'est-ce que t'as dit là sur mon corps de p***? Mais pousse-toi, biatch. Et une nouvelle Écamienne fera son entrée à Jean Buisset et ne laissera pas les deux garçons indifférents. Ouais, mon gars, je vais l'inviter à la bûche et je vais la pécho. Une...